concurrents. L'Autriche est également au départ de ces 24 heures du Mans. Austria with 5. Mesdames et messieurs, il nous manque naturellement un hymne, vous allez dire. Et la France, ce sera après at 2:12 for the Marseillaise. Ceci étant, nous allons utiliser notre caméra maintenant et je vais demander à quelqu'un qui va avoir le cœur qui va battre un petit peu plus fort maintenant de me rejoindre. Mesdames et messieurs, be careful, open your eyes and your ears. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Le Japon est dans la course, la Suisse est également Switzerland avec la présence de 8 pilotes, 8 drivers are coming from Switzerland and 2 teams. Happy to present you the new Alpine, the celebration Alpine for the first time all over the world. Allons-y, mesdames et messieurs, Bernard Olivier, présentation du drapeau bleu, blanc, rouge. Voici. Et naturellement, cette vague d'applaudissements se poursuit. Elle accompagne la voiture. Je crois que le pari est vraiment gagné. Bah écoutez, en tout cas, c'est beaucoup d'émotion. Et j'espère que pour beaucoup de gens qui ont connu Alpine, c'est pareil. Et puis j'espère que ceux qui connaissent mal Alpine, eh bien, ils vont découvrir cet ADN. Numéro 67, réparé donc après son début d'incendie, la voiture de Rune Sanchen, d'Alex Capadia, de Xavier Masson, l'Aston Martin numéro 96, 96 Aston Martin, with Ralph Good, Stuart Hall, Francesco Cast Driver 2. On va continuer notre remontée avec la Ferrari numéro 62, la voiture de William Scuder, de Townsend Bell et de Jeffrey Segal, un team qui vient d'ailleurs des Ferrari numéro 61, Raffaele Gianmaria et Matteo Cressoni qui seront justement vos coéquipiers, Peter. Voilà, on va regarder la montre. Hopefully it's going to be a nice, dry, warm race. And, you know, we have everybody at Corvette Racing behind this one car now. And so we're double the effort, double the push. And hopefully we get this car on the top step. Et puis début de la saison, donc deuxième au championnat. Et évidemment, la course des 24 heures est très importante à ce niveau-là. Donc, bon, on va essayer de viser au moins un podium. Pourquoi pas la victoire. Il a également été pilote Pescarolo. N'oubliez pas, il a 10 ans.